Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme de cœur et aussi en forme d'étoile. Oui, parce que nous sommes tous des étoiles. Voilà, je suis en pleine nature, ça fait du bien. Je vais vous montrer. Hop, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Du coup, moi j'ai reçu un message de mes guides, alors je vais vous le lire. Voilà, peut-être qu'un jour ça sera en direct. Pour l'instant, je le fais comme ça. Je vais vous lire. Vous êtes des étoiles. Dû à mon premier message, j'espère que vous êtes en forme d'étoiles. Vous êtes des étoiles et vous êtes à jamais liés à l'univers. Et le tout, ne l'oubliez jamais. Et c'est de l'amour en puissance. De l'amour en puissance pour tous. Et dites-vous je t'aime. Dites-vous que vous vous aimez par-dessus tout. C'est super important de s'aimer. Et dites-le vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Diffusez de l'amour à vous-même. Et cet amour pourra se déverser chez les autres. Ouvrez la porte de votre cœur en allant dans la nature. C'est le moment. C'est le moment. Vous allez découvrir de nouvelles choses en allant dans la nature qui vous enivreront de paix et de guérison. La guérison de votre cœur. Revenez à la vie. C'est vous qui avez le pouvoir de décider pour vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce pas et revenir à la nature et à votre nature. En allant, dans la nature, vous revenez à votre vraie nature. La nature vous guide. Écoutez et sifflez les fréquences de votre cœur. Les fréquences et les odeurs de la nature vous aideront à ouvrir cette porte qui demande d'éclore votre petite étoile. Voilà le message que j'ai reçu. Et du coup, je vais tirer une carte de l'oracle des fées. L'oracle des fées de Doreen Virtue. Ça fait du bien d'entendre les oiseaux. Alors, je vous les montre. Hein. La première qui tombe, elle sera pour nous. Voilà, il y en a une qui est tombée. Hop. L'automne. Bon, non, printemps. Hein. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de nouvelles de merveilleuses moissons. Et on voit que la personne qui a l'air pas très humaine. Déjà, soit son guide, soit un ange, ou soit son cœur, ou soit l'univers qu'elle a entre ses mains. Vous avez un trésor entre vos mains. Vous avez un grand trésor entre vos mains. Voilà, ça me parle comme ça. Et il y a encore des petites elfes en bas. Vous avez un trésor entre vos mains. Utilisez vos mains pour aller jusque dans votre cœur. Ensuite, ben, y a deux petites elfes en nature. Vous pourrez peut-être les croiser comme moi. Donc
un trésor entre mes mains. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? C'est peut-être aussi la créativité. Soyez créatifs. Voilà, je reprends. Du coup, je vais retirer une autre carte de ce jeu. La première. Moi, il y en avait trois. Du coup, je veux juste une carte. La première qui tombe, ça sera pour nous, les étoiles. Voilà, il y a des chiens. Alors. Je suis là. Ensuite, c'est la guérison émotionnelle. On voit que au niveau du cœur, elle a une pierre verte. La guérison des émotions. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà. En allant en nature, il y a aussi un papillon, une jonquille en bas qui représente le printemps. Donc c'est maintenant. Voilà. Avec un arbre derrière, des papillons, la transformation. Donc, peut-être pour certains ou certaines, la guérison des émotions se fait en ce moment, à travers le corps. Peut-être qu'il vous fait un petit peu mal, mais c'est juste des guérisons. Voilà. Une guérison du cœur, comme le message que j'ai reçu avant. Avec les arbres, prenez contact. Il y a à nouveau les mains. Hein. Vous avez un trésor entre vos mains. Ne l'oubliez pas. Donc ouais, pour moi, c'est en ce moment une période de guérison. Peut-être que c'est pas facile pour tout le monde. Mais... je trouve que c'est une bonne carte de guérison. Et puis je vais tirer une carte de celle-ci. La réponse est simple. Voilà, de Sonia Choquette, que j'aime beaucoup. Alors la réponse est simple. La réponse est simple. Je vais tirer aussi une carte. La première qui tombe. Soyez courageux, j'entends ça là. Soyez courageux de guérir votre cœur. Le courage de s'aimer et de se reconnaître dans sa vraie nature. Reconnaissez-vous et reconnectez-vous. Oh. Voilà. Écoutez de la musique. Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? L'autre jour, je parlais avec une amie, je disais « Oh, j'ai réécouté Rondo Veneziano. » Quand j'étais adolescente, j'écoutais ça, je l'adorais. Je trouve que c'est une musique vibrante qui me parle énormément. Je ne sais pas si vous connaissez des musiques douces, apaisantes, ou qui vous fait danser à la maison, en nature, avec vos amis. On peut danser, on peut s'autoriser de danser. Voilà. Avec les animaux aussi, ils attendent, ils vous regardent, ils vous écoutent, les animaux. Écoutez de la musique, puis écoutez aussi la musique de la nature, comme là maintenant. La nature est une musique. Est une musique, la musique du cœur. Voilà. Du coup, c'est tout.
tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère que ce message vous aura parlé. Que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Qui fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre le petit bouton j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'est nouveau moi. Du coup, quand j'ai fini ma vidéo avec le tirage des cartes, je me disais bien, Letty, t'as pas fini ta vidéo là, il y a encore quelque chose qui va venir. Puis moi j'étais, non j'ai fini. Du coup, j'ai écouté quand même mon cœur. Et je suis passée par là et j'ai trouvé ces fleurs. Ce blanc, super beau, vers le petit étang. Je suis passée l'autre jour avec une amie, d'ailleurs je lui fais un gros bisou. Et ça me disait, mais t'as pas fini. Donc du coup, j'ai écouté et on verra ce qui va venir. Voilà. C'est magnifique, ce blanc comme ça. Vers le petit étang. Du coup, voilà, je ne sais pas ce qui va venir. Voilà, je suis encore vers l'étang. Vers les arbres. Ah, j'ai un message. Un message que j'avais mis il y a longtemps. Je vous le montre. C'est... Oh, il reste accroché. Graine de rire. Avec un point vert. Et le soleil derrière, c'est magnifique. Graine de rire. Voilà. Du coup, c'était un petit message. Est-ce que... Moi, je vais me caler dans l'arbre. Pas vers l'étoile d'araignée. Un deuxième message que j'avais mis et que j'avais oublié. Ma réponse à votre question est oui. Donc du coup, s'il y avait des gens qui se posaient des questions, ben, c'est oui. C'est oui. Du coup, voilà, j'aime bien redécouvrir mes petits messages. J'avais complètement oublié que j'avais laissé ça là. Voilà, du coup, c'était peut-être ça le message. La réponse est oui. Je vous le remontre. La réponse à votre question est oui. J'espère que pour certains, ça vous parlera. Et puis qu'il ne faut pas oublier de rire, pas oublier de chanter, mettez la musique à coin dans votre voiture. Moi c'est ce que je fais quand je vais au travail, je mets la musique à fond et je chante. Et franchement ça me rend hyper joyeuse. La musique ça vous rend joyeux. N'oubliez pas la musique, voilà. Et n'oubliez pas la nature, n'oubliez pas l'amour, ne vous oubliez pas. Vous êtes une belle nature divine de l'univers qui est en train de pousser en ce moment parce que c'est le printemps. Voilà. Et ce magnifique arbre. Vous êtes une magnifique nature divine de l'univers comme tout ce qui vit partout. Les arbres, les fleurs. Blanche. C'est une nature divine. Ne l'oubliez pas. Et ne remettez jamais ça en question. Et personne ne remettra jamais ça en question. Vous êtes une nature divine. Vous êtes des étoiles. Et moi, je crois que c'est bon. Je vous fais le soleil. Avec la petite, la maison. Il est où? Je le trouve pas. Bon. Moi, je vous fais des gros bisous. Allez en nature. Rigolez, chantez. Aimez-vous.
tous ensemble. Aimez-vous vous-même. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.